toi, Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut encore rendre grâce à Dieu ce matin? Il est écrit, nul ne peut venir dans sa présence sans que le Père ne l'attire. Est-ce qu'il y a une personne qui a été attirée ce matin par Dieu qui peut lui dire, Seigneur, je m'offre encore tout entier à toi. Ce matin, je suis là dans ta présence. Ce matin, je suis venu à ta rencontre, Seigneur. Rabashata rabaya babo shata ribo sheka rabaya inda rabosi anderebeshaya. Ce matin, nous avons été attirés par toi, Seigneur. Ce matin, nous avons été attirés par ta beauté. Ce matin, nous avons été attirés par toi. Nous avons vu ta main. Nous avons vu le miracle que tu as opéré. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes encore là pour te rendre grâce. Ce n'est pas par habitude, mais c'est parce que tu fais tellement de choses qui sont nouvelles. Tu fais tellement de choses qui nous éblouissent. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes encore là pour te rendre des actions de grâce. Ce matin, nous sommes encore là pour te célébrer, pour te dire combien tu es bon. Nous venons t'adorer, te louer encore ce matin, notre Dieu. Nous venons te rendre des actions de grâce. Parce qu'on n'a pas vu un autre Dieu en dehors de toi. On n'a pas vu celui qui fait des choses de la même façon que toi tu les fais. Tu es celui qui nous a épargné du mal. Tu nous as épargné de mauvaises choses, de accidents. Seigneur, ce matin nous sommes là pour te rendre grâce. Pour tout ce que tu as fait tout au long de cette semaine. Ah. Est-ce qu'il y a une personne qui peut sentir, qui peut voir combien l'Éternel est bon? Combien Dieu est bon pour lui? Combien Dieu est bon? Tu es celui qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Voilà pourquoi ce matin nous reconnaissons ton autorité. Nous reconnaissons ta divinité, Seigneur. Ah. Nous reconnaissons ton autorité, Jésus. Nous reconnaissons ta suprématie ce matin, notre Dieu. Alléluia, alléluia. Sois élevé au-dessus de tout. Le Dieu qui est assis sur le trône, nous te levons ce matin. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ta présence. Elohim, nous bénissons ta présence. Elohim, nous bénissons ta présence. Rabba Shatalabaya, tu règnes pour l'éternité. Rabo Sianerebe Shekarabo. Celui qui peut nous préserver de toute chute, sois fort. L'honneur et gloire.
dire à Dieu, Seigneur, règne. Règne ce matin en maître dans ma vie. Règne dans mes entreprises. Règne dans ma vie ce matin. Est-ce que tu peux faire le paroles de cette chanson, ta prière de ce matin, pour appeler le règne de Dieu dans ta vie, pour appeler le règne de Dieu dans tes entreprises, pour appeler le règne de Dieu dans ta famille. Seigneur, prends la place qu'il te faut dans ma vie. Prends la place qu'il te faut dans ma famille. Prends la place qu'il faut dans mes entreprises. Prends la place qu'il te faut, Seigneur. Il y a encore qui compte. Voilà mon cœur, le cou. Hallelujah.
gloire de ton nom, Jésus. Que ça monte encore ce matin. Je parlerai de toi. Yes. De ta fidélité. Je dirai tout haut, Seigneur. Tout haut, c'est que tu y as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Ah, j'entends quelqu'un qui a vu le miracle de Dieu cette semaine dire encore, je parlerai. Ta fidélité, je dirai tout.
ce matin. Je parlerai de toi. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut. Tu y as fait, ce que tu as fait pour moi. Acclamer le Seigneur, celui qu'on est en train de lever ce matin. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Ah. Jésus, Jésus, Jésus. Au-dessus de mes problèmes, je te lève, Seigneur. Au-dessus des séquilles des rangs,
Emmanuel est là ici présent avec moi. Emmanuel.
Emmanuel est là. Est-ce que des paroles d'amour peuvent monter ce matin pour Emmanuel? Est-ce que des paroles de reconnaissance peuvent encore monter ce matin vers Emmanuel? Rabassaya, tu es celui que nous aimons célébrer. Tu es celui que nous aimons adorer, Seigneur. Tu es celui que nous aimons adorer. Tu es celui que nous aimons célébrer. Chakarebro saya, ribo shadegaya mama mama saya, rika shata la baya, riba ba 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 bo shakarabas, imanderebo shakarabas, iyanderebe shata la ba, rika shadereba shata. Sans toi je ne suis rien, sans toi je suis perdu. C'est auprès de toi que j'ai tout ce que je recherche. Tu es celui qui m'a béni de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Rabaya deleva shaya moshia, riba shata labaya. Laisse parler ton cœur en ce moment. Ah. Laisse parler ton cœur en cet instant. Yabrasaya. Thank you.
Plus de toi encore.
donné l'angle qui est beau. Plus de toi encore. Plus de toi encore. S'opérer l'angle qui est beau. S'opérer l'angle qui est beau. Plus de toi encore. Plus de toi encore. Plus de toi encore. Plus de toi encore. Merci pour la gloire manifestée au milieu de nous. Nous te remercions pour la puissance du Saint-Esprit. Nous te remercions pour la gloire de ta présence. Élève la voix et commence à dire à Dieu, sois avec moi ce matin, remplis-moi ce matin, parle-moi ce matin, touche-moi ce matin, fais-moi du bien, fais-moi du bien. Ouvre-moi ce matin, que ta nuée de gloire m'envahisse, m'environne. Éternel des armées, bénis-moi par ta présence, bénis-moi par ton onction, bénis-moi par ta puissance. Tu règnes dans les cieux, tu règnes sur la terre, élevé au-dessus de tout, Seigneur. Merci pour ta présence, tu es un Dieu puissant au milieu de nous, un Dieu qui fait des œuvres glorieuses, un Dieu qui fait des œuvres puissantes. Merci de nous bénir, merci de nous remplir. Merci de nous combler. Alléluia, alléluia. Viens à moi, Seigneur. Je viendrai
t'adorer, je viendrai te louer. Attire-moi dans ta présence. Accorde-moi la grâce de te voir tel que tu es, de t'expérimenter tel que tu es. Dis avec moi, Seigneur, je désire te voir tel que tu es. Je désire t'entendre, entendre ta parole tel que tu es. Tu es la parole. Remplis mon être au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est reconnaissant pour acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Fais-le encore. Acclame-le, 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 acclame-le. Seigneur, remplis ces lieux de ta présence, mon Dieu. Lèvons les mains vers le ciel, chantons-le en chœur, s'il vous plaît. Oh, merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Chantons, Église de Dieu. Allez, vas-y, chantons en chœur. Come on. Fais comme tu veux. Allons-y, chantons. Sur ton trône, fais comme tu veux. Église de Dieu, dis-le au Seigneur. Fais comme tu veux. Et sur ton trône, fais comme tu veux. Dis-le de tout ton cœur. Fais comme tu veux. Allez, là, sur ton trône, fais comme tu veux. Célèbre-le de tout ton être. Ce matin, sur ton trône, fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Église de Dieu, demande à Dieu. Demande à Dieu de le faire. Église de Dieu, reconnais-le. Fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux ce matin. Oh, 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 oh. Fais comme tu veux. Alléluia. Sur ton trône, fais comme tu veux. Subir. Tu vas faire de moi et tu vas faire pour moi ce que tu as résolu. Est-ce que quelqu'un peut tenir la main de son voisin et dire, je te souhaite le bonheur ce matin. Je te souhaite le bonheur ce matin. Je te souhaite le bonheur ce matin. Au milieu de la parole de Dieu. On le dit en chœur, ensemble.
Ce chant passe dans mon esprit. Oh, alléluia. Alléluia. Basali Bakita, c'est ça, Makita? Un truc de ce genre. Alléluia. Ce chant passe dans mon esprit. Et puis, il y a un endroit où il dit Nazala Senayo, c'est ça, non? Nazala Senayo. Ce chant passe dans mon esprit. Que Dieu soit avec toi ce matin. Dis amen. On va apprendre ce chant plus tard. Que Dieu vous bénisse. Nous allons partager la parole de Dieu. Est-ce que nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît? Alléluia. Que l'Éternel bénisse chacun d'entre nous ce matin. Nous disons amen. Amen. Nous allons partager la parole sainte du Seigneur ce matin et nous croyons que nous allons en être fortement bénis. Le thème de ce matin va continuer toujours la série des enseignements « Si tu ne pries pas ». C'est dans ces enseignements que nous apprenons l'importance de prier, le lien capital qu'il y a avec la prière et nos vies. Ceux qui font le choix de prier voient réellement leur vie changer. Et nous, les enfants de Dieu, la prière joue un rôle important. Alléluia. Amen. Ce matin, j'aimerais vous inviter et nous inviter à comprendre encore l'importance de la prière. Le thème s'intitule « Si tu ne pries pas, tu ne changeras jamais ». Si tu ne pries pas, tu ne changeras jamais. Alléluia. Amen. Dans ce message, nous allons nous appuyer sur notre besoin de changer certaines choses, certains caractères en nous pour devenir de meilleures personnes, des personnes que Dieu veut que nous soyons et afin d'arriver après à nos bénédictions. Vous devez savoir que le changement de nos vies n'est pas nécessairement lié à l'argent. Avoir l'argent, cela n'est pas nécessairement la chose qui permet le changement de la vie de quelqu'un. Des gens ont eu beaucoup d'argent, mais cet argent les a détruits. Donc en réalité, avoir de l'argent, ce n'est pas la chose qui change la vie de quelqu'un. Le changement n'est pas toujours lié aussi aux connaissances que nous avons. Il y a des gens qui connaissent beaucoup, qui ont beaucoup étudié, mais dont leur vie est toujours misérable. Il y a ceux qui peuvent résoudre des équations mathématiques et physiques énormes, mais ne savent pas résoudre l'équation de gérer une femme. Très souvent, ce que nous devons
dans la vie, ce que nous devenons dans la vie est le résultat de nos changements, des changements, de tous les changements que nous avons faits en nous. Quand votre vie, vous devenez quelqu'un de particulier dans votre vie, vous devenez ministre, vous devenez homme de Dieu, vous devenez je ne sais quoi. Très souvent, c'est parce que vous avez juste décidé de changer. Tout le monde a quelque chose à changer en lui. Quel que soit le niveau que vous avez avec Dieu, quel que soit votre marche avec Dieu, vous avez quelque chose à changer. Lorsque l'on vous dit que vous avez quelque chose à changer, ça ne fait pas de vous nécessairement quelqu'un de mauvais. Mais vous avez quelque chose à changer veut aussi dire que vous pouvez devenir mieux. Parce que Dieu, en réalité, est lié à qui vous êtes pour que vous découvriez qui il est. Et l'un des grands obstacles de Dieu, c'est lorsqu'il voit que vous n'êtes pas la personne qu'il attendait de que vous soyez. L'importance de ce message, le voici. Pourquoi ce message? Pourquoi ce message nous est adressé ce matin? Parce que plusieurs personnes ratent des opportunités à cause de leur caractère. Plusieurs personnes ratent des opportunités. Les opportunités, c'est l'ensemble des choses qui nous arrivent et qui peuvent nous conduire à un bonheur. Et il y a beaucoup de gens qui ratent les opportunités à cause de leur caractère. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous parlerons de changement aujourd'hui. Et tu dois prier pour changer. Alors, plusieurs personnes ratent leur destinée, ratent leur des opportunités à cause de leur caractère. Je prie ce matin que quelqu'un change. Amen. Pourquoi nous prêcherons ce message? Parce que plusieurs personnes détruisent leur bénédiction à cause de leur comportement. Vous savez, en réalité, le fait que nous ayons tous le même Dieu, cela veut dire qu'on a, humainement parlant, les mêmes chances. Et quand vous remarquez que certaines personnes elles échouent dans la vie, c'est pas toujours les sorciers. C'est des fois on obtient des bénédictions, mais ces bénédictions sont détruites à cause de nos caractères. Ou de notre comportement en général. Ce que Dieu vous donne, pour que ça reste en vous, que ça reste chez vous, votre comportement va jouer. C'est comme une femme qui est mariée et son mari finalement commence à rester dehors avec les amis parce que la femme ne lui met pas la paix à la maison. Donc elle détruit sa bénédiction par son comportement. Alléluia. L'église aujourd'hui, nous prêchons beaucoup de choses, mais nous ne faisons pas comprendre au peuple leurs responsabilités. Vous êtes responsable de choses qui vous arrivent. Et le commencement, quand Dieu commence une chose avec elle, quelqu'un, vous êtes responsable aussi de la progression de la chose. Donc on parlera ce matin parce que ton comportement a été à la base de beaucoup de bénédictions qui ont été détruites. Vous savez, par exemple, quand Dieu veut vous faire du bien, vous ne voyez pas ce que Dieu commence à faire. Des fois, il y a des gens qui sont déjà en train de vous chercher. Ils disent, je cherche le numéro de téléphone de ce monsieur pour lui donner du travail. Et après cela, le monsieur oublie. Mais vous ne savez pas que le monsieur a oublié juste parce que
Vous, vous vous êtes méconduit et Dieu a fait en sorte que la chose passe. Je disais à quelqu'un que tout ce que tu cherches, te cherche. Tout ce que vous cherchez, vous cherchez. Et il faut que ça vous trouve tel ou comme Dieu veut que vous soyez. Pourquoi nous enseignons ce message ce matin? Parce que plusieurs personnes sont limitées à cause de leur compréhension. Il y a des gens qui ont une manière de comprendre les choses. Ça limite leur vie. Dieu a envie de t'emmener plus loin, mais ta manière de comprendre les choses est tellement mal que ça limite les choses. Des fois, on veut te faire du bien, mais tu as une compréhension qui fait que tu décourages les autres. Vous reprochez à votre femme de ne pas faire ceci, de ne pas faire ça, mais en fait, c'est votre manière de comprendre ce qu'elle fait qui la décourage. Donc, quand vous comprenez ça, vous voyez que notre comportement est au centre des choses qui nous arrivent. Amen. Amen. Vous savez, en tant que Satan, si j'étais Satan, je vous aurais déjà tous détruits. Alors je me demande toujours comment Satan fait pour ne pas nous détruire jusque-là. Parce que Dieu est bon. Et par la grâce de Dieu, il nous protège malgré nos erreurs. Merci Seigneur Jésus. Mais Dieu est juste. Lorsque quelqu'un n'a pas une bonne attitude, Dieu ne peut pas lui donner ce qu'il donnera à quelqu'un qui a une bonne attitude. Je donne un autre exemple. Nous allons prêcher ce message ce matin. Parce que plusieurs personnes détruisent des relations de destinée. Juste à cause de leur tempérament. Voilà. Des fois, il ne faut pas être calme. Des fois, il ne faut pas être chaud. Il y a des gens qui ratent leur bénédiction parce qu'ils ne se sont pas expliqués. Ils sont dans une réunion, on explique une chose, au lieu de s'expliquer, il dit Dieu, il a dit Dieu lui-même touchera leur cœur. Dans la société, il faut te défendre. Donc, ton tempérament qui est trop timide, trop froid, te fait rater aussi des choses. En train de dire toujours que Dieu lui-même sait quand ça va venir. Non, la Bible ne nous dit pas qu'il n'y a que des choses que Dieu donne, il y a aussi des choses que nous devons arracher. Vous devez revoir votre tempérament. Des fois, vous avez un tempérament trop chaud à l'endroit où il faut être calme. Et vous ratez aussi des bénédictions comme ça. Votre tempérament joue de beaucoup. Donc, quand vous regardez, vous vous dites, mais finalement, le diable, à quel moment le diable travaille dans ma vie? En fait, c'est d'abord moi-même qui suis à l'origine des problèmes que j'ai. Et enfin, la raison pour laquelle nous prêcherons ce message, c'est parce que plusieurs personnes sont disqualifiées à cause de leurs mauvaises habitudes. C'est-à-dire que Dieu met les gens de côté à cause de leurs mauvaises habitudes. Quand tu as des mauvaises habitudes, tu peux rater quelque chose qui t'était destiné, on te met de côté. Beaucoup de gens sont assis ici, ils sont disqualifiés des choses que Dieu voulait faire dans leur vie. Mais ils ne le savent pas, ces personnes, elles ne le savent pas. Donc le fait simplement d'avoir des mauvaises habitudes, ça peut vous chasser loin d'un programme de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit qui dit Amen? Amen. Alléluia, Sambadi. Amen. Donc, frères et sœurs dans le Seigneur, toutes ces choses que je viens d'expliquer, ce sont des choses qu'il y a dans l'homme qui peuvent lui créer des problèmes. Et s'il ne change pas, si cet homme ne change pas, de choses vont passer à côté.
J'aimerais que tu te dises à toi-même, change. Alors, mais pourquoi la prière peut-elle nous aider à changer? Pourquoi la prière peut-elle nous aider à changer? Normalement, il y a beaucoup d'autres possibilités, beaucoup d'autres stratégies que les hommes utilisent pour changer. On peut aller voir un psychologue qui nous parle, qui nous conseille pour qu'on change. Mais pourquoi la prière est un outil très efficace pour changer? Premièrement, parce que la prière nous aide à entrer en nous-mêmes. La prière nous aide à entrer comment? En nous-mêmes. C'est-à-dire que la prière, c'est le seul moment où quelqu'un vraiment est lui-même. Donc, c'est déjà quelque chose qui peut t'aider à changer. Parce que devant les gens, tu peux cacher que tu es un jaloux. Mais quand tu pries, tu entres en toi-même, tu sais que tu jalouses tel frère, telle soeur. Des fois même, tu ne sais pas que tu es jaloux, mais tu n'es pas heureux de voir le bonheur de quelqu'un. Et c'est quand tu es en prière que tu sens qui tu es. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un me suit attentivement? Un jour, un homme de Dieu a dit ceci. C'est pasteur Ivan Castano. Il dit qu'il était dans leur église qui était dans les décatombes, comme appelait Papa Karambiri. Et quand c'était au début, il souffrait beaucoup. Il y avait une autre église en haut de là où ils étaient. Cette église-là était la plus grande église de France. Et cette église avait acheté, a commencé à construire. Et le pasteur Ivan Castano dit que quand on lui a dit que le pasteur l'avait acheté et commencé à construire, le pasteur Ivan a répondu en disant, mais ça ne veut rien dire. Même s'il a construit, ça ne veut rien dire. Alléluia. Et là, le Saint-Esprit. Et pasteur Ivan est parti, s'est mis à prier pour lui-même. Pour changer sa façon de voir le succès de l'autre. Et quand pasteur Ivan a commencé à sentir la joie du succès de ce pasteur-là, ICC est devenu une des plus grandes églises en Europe. L'élévation du pasteur Ivan et de toute l'église était bloqué seulement par l'état de son cœur. C'est pourquoi je vous dis, mes frères, les démons ne peuvent pas vous arrêter de la manière que vous nous dites qu'ils vous arrêtent là. C'est pas possible. Non. Mais vous-même, votre façon d'être. Il y a des gens dans cette assemblée, lorsque par exemple il y a quelque chose à l'église et qu'on lui dit ça, il dit, ah, vous voyez, mais votre église là. Mais il vient, il dit, c'est son église. Mais il, quand il parle, quand il y a un problème et qu'on raconte même un mensonge, il dit, votre église. Dis à ton frère, ce cœur-là, vraiment, ça ne va pas. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Amen. Il y en a parmi nous ici, lorsqu'on élève quelqu'un, berger, ministre et autres, il dit, oh, mais ils élèvent seulement les gens qu'ils connaissent. Mais c'est... Dis à ton voisin, c'est pas bon. Moto, amati, berger, je ne sais pas si quelqu'un comprend. Solo, bango na bango, bango na bango. C'est ça le vrai blocage. Yangonde, oui, c'est ça le vrai blocage. Yangonde, so maintenant, quand bakabo. Tu pries, tango ça te la. Montre qui tu es. Mm-hmm. Je vais donner d'abord un conseil, une parenthèse rapide que je vais fermer. Yo dans l'église, on n'élève pas les personnes qui sont puissantes. On n'élève pas les forts. On n'élève pas les gens qui ont beaucoup de potentiel et de compétences. On élève les fidèles. On élève les fidèles. C'est la loyauté de quelqu'un qui peut le rendre meilleur dans le temps.
Mais celui qui est très bon aujourd'hui peut devenir mauvais demain. C'est parce que la prière peut chasser les mauvais esprits qui contrôlent nos pensées. La prière peut chasser les mauvais esprits qui contrôlent tes pensées. Dites avec moi un amen bien. Amen. Est-ce que vous connaissez ce verset que vous, je suis sûr que vous le connaissez, peut-être pas le verset mais le contenu. Matthieu chapitre 16 verset 23, que je vous demanderai de lire ensemble, lisons 1, 2, 3. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de qui ? De Dieu, mais celles des hommes. » La Bible parle de Pierre qui avait marché avec Jésus. Donne un amen. Amen. Donc la Bible parle du genre de chrétien qui était tout le temps à l'église, qui servait, qui chassait déjà les démons. Mais Satan est passé par les pensées de Pierre. Et Jésus a dit, arrière de moi Satan. Donc vous comprenez que même votre position à l'église ne garantit pas la protection de vos pensées. Pour pouvoir changer, il faut se contrôler soi-même. Les pensées sont souvent comme des vents. Quand tu ne fermes pas la fenêtre de ta vie, le vent entre. Quand tu laisses toutes les fenêtres de ta vie ouvertes, tu peux avoir des mauvais vents, des vents poussiéreux, des vents froids, des vents chauds. Ne faites pas attention à votre cœur. Les mauvais vents vont entrer. Les mauvaises pensées. Même si vous êtes élevé à l'église. Alléluia, donne un amen. Amen. Alléluia, donne un amen. Amen. Vous savez, en tant que père, ça ne fait pas de toi quelqu'un qui est disposé à voir les Le père dit qu'il est orgueilleux. Oui. Alléluia. Amen. Il y a des pères, lorsqu'ils établissent le système, ils disent qu'une église ne peut pas être 30 000 personnes. Ils commencent à prêcher que l'église ne peut pas être 30 000 personnes. C'est beaucoup. La communauté a 30 000 et l'église. Si vous êtes nombreux comme ça, faites des cellules, coupez des extensions. C'est ce qui lui fait parler. Ma position de pasteur, père spirituel, ne protège pas mes pensées. Ce qui protège mes pensées, c'est ma vie de prière. Quelqu'un me suit attentivement? Amen. Quelqu'un suit ce que je dis? Amen. Votre interprétation des faits. Vous pouvez prier en langue et mal interpréter les choses. Si je parle à quelqu'un, alors la prière, elle aide ça à chasser.
chasser les mauvais vents, chasser les mauvais esprits qui sont derrière les. Donne la main. Amen. Au nom de Jésus, que tous les démons responsables des mauvaises pensées qui viennent dans ton cœur quittent. Amen. L'autre raison pour laquelle la prière peut nous aider à changer, c'est parce que la prière. C'est difficile de prendre un gant de boxe de ce matin. C'est pas possible. Écoutez ça. Mal. Tu dois prier contre ça. Alléluia. Amen. J'ai raconté au couple hier. Maman Marianne prend le. Comment on appelle ça? Elle prend l'armoire, le buffet. Elle va mettre ça dans un coin au salon. Dans un angle. Alléluia. Amen. Elle met dans un angle au salon. Salon. Quand moi je viens, je ne vois pas le buffet à la salle à manger. Alors moi je dis, mais c'est quoi ça? Mais pourquoi vous avez déplacé le buffet? Moi j'avais laissé ça ici. J'avais dit qu'on fasse ça comme ça. Alors je vais voir le buffet du côté du salon où on s'assoit là. Je dis, mais c'est pas bien, pourquoi vous avez mis ça ici? Et là, en regardant le buffet à cet endroit-là, j'ai remarqué que le mur avait aussi fait un creux exactement à la taille du buffet. Donc c'était vraiment bien installé. Et j'ai entendu la voix du Saint-Esprit me dire, mais oh, c'est joli, non? Mes frères, je devais me repentir auprès de ma femme. Et là, les raisonnements ont commencé. Mes amis, 18 ans de pastoral, 25 ans de pastoral ne garantit pas ta protection des pensées. Tu dois réagir quand ça vient. Ça vient, tu dois réagir. Raisonnement, tu dois t'y opposer. Je me suis opposé à ça. Et je suis allé me repentir. La Bible dit dans 2 Corinthiens 10, 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur pardon, qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous emmenons toute pensée captive à faire quoi? À l'obéissance de Christ. Si tu ne gères pas ta vie comme ça, tu ne changeras pas. Enfin, pourquoi la prière peut nous aider à changer? Parce que la prière nous permet d'obtenir ce que nous désirons. C'est grâce à la prière qu'on peut dire à Dieu le caractère qu'on veut avoir. Donc, Seigneur, je veux devenir comme ceci. La Bible dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est Dieu qui le dit. Et quand tu pries, tu peux te changer. Tu peux demander une autre personne. La prière aide à se transformer soi-même. Ceux qui se surveillent changent. Ceux qui se surveillent dans la prière s'améliorent. Je peux vous répéter ici tous les mots qui m'ont été dits et qui m'ont changé. Alléluia. Amen. Mais pour mieux comprendre ce que je vais vous dire, je vais aller directement à la conclusion de mon message pour expliquer les choses. Comment prier? Comment prier pour changer? Comment prier pour faire quoi? Changer. Tout à l'heure, je vous ai dit, avant de donner ce titre, que je peux vous dire toutes les phrases
qui m'ont aidé à changer. Alors, comment prier? Technique. Comment prier pour changer? Alléluia. Amen. La première chose que vous devez faire, c'est de demander à Dieu et à une personne de confiance ce qu'il pense de vous, ou bien ce qu'il pense que vous devez changer. Parce que fidèle, papa, venez. Vous savez, baby, tel que vous êtes là, Ndingozali, vous ne pouvez pas savoir okokiteoyeba de vous-même na yomei ce que vous devez changer. Ninuesengelobongola. Quelqu'un me suit attentivement. Amen. Vous devez, avant de prier même, Esengel yambo atobondela, pour changer, pona obongwana, vous devez demander à Dieu et à un homme qui est autour de vous, ou une femme autour de vous qui est de confiance, qu'il vous dise qu'est-ce que vous devez changer. Quelqu'un me suit attentivement. Amen. Qu'il vous dise ce que vous devez changer. Vous voyez, pasteur fidèle, c'est un monsieur vraiment merveilleux. Moi, je l'aime beaucoup. Je l'apprécie beaucoup. Et beaucoup de gens sur les réseaux sociaux me disent toujours, ah, pasteur fidèle, il prêche bien. Ah, les gens l'aiment beaucoup, vraiment. Tu as du succès, hein, mon gars. Merci. Alléluia. Amen. 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 Ici, là, tel que vous êtes là, il y a beaucoup de gens qui t'aiment. Beaucoup de gens aiment pasteur fidèle. Bah, te bélé, bah, n'aura papa fidèle. Mais si vous venez voir maman Bibiche, so maman, maman Judith, Judith. Mm-hmm. Si vous venez voir maman qui? Judith. Que vous dites à maman Judith, vous aimez pasteur fidèle, elle va vous dire, je l'aime de tout mon cœur. C'est l'amour de ma vie. Elle vous dira de très belles phrases. Maintenant, dans le secret, si maman Judith doit vous dire tout ce qu'elle veut que fidèle change, vous n'aimerez plus fidèle. Qui a compris ce que je dis? Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vous dis, mes amis, je vous dis de tout mon cœur, si vous ne changez pas, Dieu ne vous utilisera pas. Dieu ne vous donnera pas ce que vous cherchez là. Parce qu'il ne vous fait pas confiance. Dieu vous connaît plus que maman Judith ne connaît pasteur fidèle. Donc demande à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je change? Et demandez à quelqu'un qui est proche de vous ce qu'il veut que tu changes. Peut-être toi tu trouves que ce que tu fais c'est bien, mais peut-être c'est très très mal. Peut-être tu t'y prends mal, tu le fais mal. Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Amen. C'est pourquoi il faut trouver quelqu'un à qui tu peux demander qu'est-ce que tu veux que je change. Beaucoup de gens prient en disant, oh Seigneur, le Dieu de ton serviteur Lévi, fais grâce que je sois comme ton serviteur Lévi. Mais si maman Marianne s'assoit pour te raconter le parcours de mes changements, tu diras, maman Marianne, vous êtes trop forte. Non, maman Marianne, moi j'allais déjà l'abandonner ou bien lui mettre une corde la nuit et le jeter dans le balcon. Maman Marianne, comment vous avez fait pour dormir la nuit où le pasteur vous avait parlé comme ceci dans la journée? Elle va te dire, c'est mon mari. Ce que je vais vous dire, c'est ceci. Vos défauts, les erreurs que vous avez, ce n'est pas ça qui va faire que nous n'allons plus vous aimer. Vous, nous vous aimons, mais pas vos défauts. Si on vous demande de changer une chose, ne vous fâchez pas. Ça ne fait pas que nous n'allions plus vous aimer. Nous vous aimons, mais il y a quelque chose que nous vous reprochons. Je ne sais pas si quelqu'un me suit attentivement. Amen. Si vous n'avez personne qui vous dit ça, vous êtes un monsieur malheureux. Vous êtes une femme malheureuse.
Oh, pourquoi tu me parles comme ça? Qui va te parler comme ça? Si ce n'est pas ta femme qui te le dit, qui va te le dire? Si ce n'est pas ton mari qui te le dit, qui va te le dire? Si ce n'est pas tes parents qui te le disent, ma fille, mon fils, qui va te le dire? Si ce n'est pas Léane qui te le dit, Chadel, si ce n'est pas Chadel qui le dit à Chrétien, si ce n'est pas Chrétien qui dit à Léane, si ce n'est pas Chadel qui dit à Chadel, à Léane, qui va vous le dire? Est-ce que quelqu'un me suit? Vos défauts n'ont pas effacé vos qualités. Ils peuvent vivre ensemble. C'est comme la bonne herbe et la mauvaise herbe. Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Amen. Vous savez, dans beaucoup de choses que nous réglons à l'église, des fois nous entendons des choses sur les gens, nous avons mal au cœur. On se dit, mais comment ce frère-là peut réagir ainsi? Vous savez, le pasteur fidèle, même tel qu'il est là. Mais il y a quelques, une semaine ou deux, j'ai parlé tout simplement, j'ai dit seulement une phrase. Lui connaissant son père, il sait que je ne suis pas d'accord avec lui. De A à Z. Il sait que je n'ai pas aimé. Il sait que je vais lui parler un jour certainement en face, même s'il est là, il le sait. Donc, connaissant son père, il sait que je vais sourire avec lui. Je vais être bon avec lui. Mais il sait que je l'ai dans mon collimateur. Donc j'ai mon arme pointée sur lui. Le jour où je vais lui dire viens, lui et maman, son épouse, je vais tomber sur eux deux. Alléluia. Amen. Ils le savent. Parce que ce n'est pas parce que j'ai quelque chose à reprocher à Fidèle que je ne l'aime pas, que je ne lui fais pas confiance. Si je lui fais confiance, il est l'un des hommes pour lesquels je parle en bien toujours. C'est la raison pour laquelle le mal de Fidèle me fait plus mal à cause de ses qualités. Donc si quelqu'un vous dit que tu fais mal ceci, il ne vous déteste pas. Alléluia. Le psaume 139, 23 nous dit: sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Repentez-vous. Deuxième chose, comment prier pour changer? Repentez-vous devant Dieu et devant une personne de confiance pour tout ce que vous devez changer. Repentez-vous devant qui? Dieu. Et devant qui? Une personne de qui? De confiance. Pour tout ce que vous devez changer. Les prières secrètes où on dit à Dieu, pardonne-moi parce que je parle mal aux gens, ça ne vous changera pas. Dites à votre voisin, le pasteur a dit, aidez-moi, même si vous ne connaissez pas le monsieur, la madame, la dame qui est à côté de vous. C'est aussi une nouvelle relation, il a un travail, hein? Il cherche aussi une hôtesse. La dame aussi cherche un gérant de ses affaires. Donc parlez bien, on ne sait jamais, c'est peut-être déjà une interview. Alléluia. Amen. On y va. Mon frère, ma soeur, allons-y. Ok. Le pasteur a dit, papa, l'obiboué, de manière claire, que toutes les fois que tu pries Dieu pour lui demander pardon pour ton comportement, n'oublie pas les personnes qui subissent ton mauvais comportement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Dieu va te pardonner, mais Dieu est lié à sa parole. Il dit dans sa parole de manière claire
que si tu viens chez moi et que tu as un problème, ou non, que quelqu'un a un problème contre toi, la Bible dit, laisse d'abord ton offrande et retourne d'abord arranger. Question. Quand vous vous donnez les offrandes, est-ce que vous pensez à ceux à qui vous faites du mal? Est-ce que c'est Satan qui bloque vos richesses? C'est toujours vous-même. Oh, l'église là, depuis que je suis là, c'est moi qui ai acheté les tôles. Achète même 114 tôles. Si ton cœur est mauvais, ou si quelqu'un te reproche ton mauvais cœur, même si tu dis mon Dieu me connaît, Dieu connaît aussi le nombre des personnes qui mourront aujourd'hui. Peut-être toi tu es dedans. Ah, tu dis dans ton cœur sans effet, même si. Bon, ce n'est pas ton cas au nom de Jésus. Mais la réalité c'est quoi? C'est que tu ne peux pas changer si tu n'as pas le courage de confronter à la personne qui a vu ton mauvais côté. Yes. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas changer si tu ne vas pas vers la personne qui voit ton mauvais côté. Pourquoi vous changez d'église souvent? Parce que vous n'arrivez pas à supporter les yeux des gens. Vous ne pouvez pas supporter comment les gens savent que vous, vous êtes un divorcé, une divorcée, ceci, que vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Mes amis, qui va raconter mon changement si ce ne sont pas ceux qui ont assisté à mon mauvais côté? Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand on va suspendre quelqu'un ici qui est pasteur ou bien qui est ministre, qui est diacre, on lui dit tu n'es plus diacre à cause de tes retards dans tous les cultes des ouvriers, à cause de ton manque d'assistance dans tous nos départements et les contributions de l'église, à cause de, désormais le frère untel n'est plus diacre. En France, en lingala, on dit Kobeta Libaku Te. Hey, en français, ça existe. Ne trébuche pas. Amen. Que cela ne soit pas pour toi une occasion de trébucher. Une occasion de chute. Qui a compris? Amen. Parce que les tenants et les aboutissants, tu ne connais pas. Nasuka, yo yebite. Donc, on va le faire. Et quand on va faire ça au frère, le frère lui-même ne doit pas se dire que l'église on a balinga kanga ite. Alobate dans cette église on n'aime pas. Ce que l'on n'aime pas, ce n'est pas toi. C'est le sac que tu portes. Ezali mokumbo tie na mapeka. Dépose-le. Tu te sentiras mieux toi-même. C'est toi qui as la charge, c'est pas nous. Enlève ça de toi. Longola yango likolo na yo. Am I speaking to someone? Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, c'est moi qui efface tes transgressions. Si tu parles à Dieu et tu parles à ceux que tu as fait, à qui tu as fait du mal, Dieu va enlever tes transgressions. La troisième chose qu'il faut faire pour prier et changer, pour que ça t'aide à changer, prier en condamnant ce que vous êtes. Je vous ai souvent parlé de ça. Priez en condamnant ce que vous êtes. Jérémy, François, Paulin, maman, Germaine, je ne sais pas qui. Écoutez-moi très bien. Lorsque vous dites à Dieu, pardonne-moi parce que j'ai menti, c'est différent de pardonne-moi parce que je suis un menteur. Celui qui dit pardonne-moi parce que j'ai menti n'a pas condamné qui il est devenu. Les erreurs et les défauts ne quittent pas quand on ne comprend pas qu'elles sont devenues une identité. David disait à Dieu, je suis un pécheur. Alléluia. Amen. Quand vous mentez, la Bible vous appelle menteur. La Bible enseigne que l'erreur est une fonction. C'est-à-dire que la qualité de quelqu'un aussi est une fonction. Celui qui partage, on dit qu'il est généreux. Fonction. Celui qui ment, on dit qu'il est menteur. Fonction.
On ne dit pas chérie. On dit, chérie, je suis désolé. Limbisanga. Je t'avais menti la fois passée. Non. On dit, je me rends compte que je suis devenu un menteur. Si tu ne comprends pas que ce que tu fais est toi, tu ne sauras pas l'enlever de toi. C'est toi qui es colérique. C'est pas, je ne sais pas comment la colère m'a prise. La colère était là où elle était. C'est toi qui as choisi de la prendre. Nous tous ici, quand on sort en route, il y a des patrons qui nous regardent, hein, les filles, n'est-ce pas? Des grosses jeeps, vous connaissez ça, non? Qui klaxonnent, pu, n'est-ce pas? Mais nous, toutes, on n'entend pas ça. Mais la sœur là, elle entend tous les klaxons. Les garçons vraiment. À totalité, mais après, elle dira. Si Maroloba. Papa, je ne sais pas ce qui m'a pris. Le monsieur là m'a fait la cour. Non, ce n'est pas tata le monsieur là. C'est depuis toujours. Tu es une personne agitée. Une personne qui se laisse. Hein? C'est ce que tu es qui te pousse à faire ce que tu fais. Am I speaking to someone? Amen. Alléluia. Amen. C'est toi qui es un menteur. C'est toi qui es un voleur. Et toutes les fois que devant un juge, c'est le juge qui te condamne de menteur, on t'arrête avec une charge très lourde, une peine lourde. Mais si tu avoues toi-même, on te condamne avec une charge réduite. Ce qui veut dire, le mal reconnu enlève déjà la peine. Mais le mal que Dieu viendra te dire te rend coupable. David dit, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Quatrième manière de prier pour pouvoir changer. Faites des prières de renoncement sur le comportement à changer. Faites des prières de renoncement sur les comportements à changer. Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Amen. Oh, je changerai. Le changement n'est pas une promesse qu'on se fait seulement. Le changement, c'est plus qu'une promesse. C'est quelque chose que l'on doit carrément renoncer à ça. Éphésiens 4, 25 dit, c'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Est-ce que quelqu'un me suit? Renoncez. Faites des prières où vous dites, je renonce aux mensonges. Faites des déclarations où vous dites, je ne mentirai plus. Satan va vous dire, mais tu ne sais pas, tu es un homme, tu risques de mentir un jour. N'écoutez pas ça. Prenez déjà la décision. Renoncez à ça, dis, je n'en tomberai plus là-dedans. Lui va te dire, mais tu es un humain, on ne sait jamais. Hein. Non, je ne tomberai pas avec une femme. Non, je ne tomberai pas avec un homme. Non, je ne serai pas dans ces bêtises-là. Alléluia. Amen. Mais avant d'arriver à la bêtise, il y a les sentiments. Je peux dire, je renonce à ce désir de suivre cette fille. Je renonce à ce désir de suivre cette femme. Hier, une sœur nous a posé la question, quand vous avez un mari qui accepte les sollicitations, comment il faut lui parler pour qu'il change? Mais vous, l'homme, du haut de vos connaissances, de votre taille, de votre beauté, une petite fille qui vous écrit, qui t'appelle mon chou, une petite fille qui vous appelle mon bébé, mon chou. Alléluia. Amen. 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 Et en ce moment-là, na tangwana, vous dites non,
C'est juste une salutation. Il n'y a rien de mal. À quel moment? À quel moment tu es devenu idiot? Qui a volé ton cerveau? Qui a volé ton intelligence? La réalité, c'est quoi? Le mal est déjà en toi. Renonce à ce mal-là avant de le faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Cinquièmement, pour prier efficacement et changer, priez en vous opposant aux démons qui œuvrent contre votre changement. Priez en vous opposant aux démons qui s'opposent à votre changement. Mes frères et sœurs, il y a toujours un démon derrière la colère. La Bible dit ceci, que la colère du jour doit s'arrêter avant la nuit. Une expression qui veut dire il ne faut pas l'emmener trop loin. Mais si on prend ça de manière littérale, c'est comme si on veut te dire que attention, quand la nuit viendra, cette chose deviendra une œuvre des ténèbres. Il y a toujours un démon derrière un mauvais caractère parce qu'il sait que ça va te faire rater les choses. Tu es en train de dire, oh non, pasteur, je veux prendre des distances. Tu prends des distances vis-à-vis de qui ou de quoi? Celui qui s'éloigne du travail de Dieu s'éloigne de Dieu. Dans le domaine spirituel, il n'y a pas trois pôles, il n'y en a que deux. Le nord ou le sud. Il n'y a pas trois pôles. Soit tu es à l'est, quand tu dis je prends des distances de l'église ces derniers temps, comme certains hommes, surtout les hommes ici, les papas c'est souvent très comme ça, donc ils passent au culte un dimanche, deux, trois dimanches, surtout quand il attend une promesse de travail. Quand on lui a appelé, on lui a dit que demain il faut venir, là il va passer le dimanche pour que Dieu compte ça. N'oubliez jamais que si Dieu compte ça, c'est que Dieu a aussi compté ton absence. Amen, somebody. Amen. Quand tu t'éloignes de Dieu, tu te rapproches de Satan. Ce n'est pas parce que tu n'es pas face à lui. Même si je vais dans ces sens, je me rapproche toujours de cette colonne-là. Il y a toujours un démon qui te tire dans les défauts que tu as. Amen. Alors prends autorité contre ces démons-là. Je chasse tout esprit de tromperie, de colère, de méchanceté. Je chasse tout esprit de manque d'impatience. Je chasse tout esprit. Tout ce que le pasteur te dit là, pourquoi tu es comme ça? Chasse le démon qui peut en être responsable. Tu n'analyses pas toi-même toutes les fois qu'on te fait les mêmes remarques. Tu es normal. Est-ce que tu es normal? Il y a quelque chose d'autre derrière. Prie pour ça. Chasse ces démons-là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu es toujours en retard. C'est un démon qui te bloque. Alléluia, somebody. Amen. Sixièmement, demandez à Dieu le changement que vous voudrez. Pasteur fidèle, papa, faites une liste où vous écrivez l'homme que vous voulez devenir. Yahweh, donne-moi la patience. Yahweh, donne-moi la miséricorde. Yahweh, donne-moi l'humilité. Yahweh, donne-moi ce caractère. Donne-moi ce caractère. Donne-moi ce caractère. Donne-moi ce caractère. Vous avez passé trop de temps à demander l'onction, mes amis. L'onction que vous demandez là, ce n'est pas le caractère. Ce n'est pas le caractère. Quelqu'un me suit attentivement? Amen. Demandez à Dieu le caractère. Demandez à Dieu le comportement qu'il faut. Am I speaking to someone? Amen. Alléluia. Amen. Et enfin, septièmement, voici le plus grand moyen de changer. De prier pour changer. On peut lire ça à haute voix. Le plus grand moyen pour prier et changer. Lisons ça ensemble. 1, 2, 3. Fidèle, revenez. Alléluia. Amen. Lorsque vous voulez changer,
Cherchez quelqu'un de confiance. Surtout la personne qui vous avait déjà dit que vous devez changer. Amen. La personne qui vous reproche votre caractère. Allez là-bas. Dites, prions ensemble pour que je change. Cette humilité-là va vous briser. À un point que vous ne trouverez plus la force de faire ce que vous faisiez. Allez voir votre femme. Essayez ça, mes amis. Chérie, prions que ma colère cesse. Oh là 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 là. Mes amis, quand vous ferez ça, vous n'allez plus jamais repartir dans cette chose-là. Quand la personne qui vous a reproché une chose est témoin de cette prière que vous faites ensemble, vous aurez du mal à retourner là-bas. Chérie, tu m'avais reproché que je ne vais plus au culte. Prions ensemble pour que j'aille au culte. Yahweh, donne-moi le cœur pour aller à l'église. Enlève de moi la distraction. Fais-moi grâce, Seigneur. Vous voyez ça? Et elle aussi? On peut essayer? On va prier pour que Dieu me donne un cœur pour aller à l'église. Hein? Toi, si tu pries. Seigneur, je t'en supplie. Donne-moi le cœur. Le cœur, Seigneur. Pour pouvoir aller à l'église. Seigneur, s'il te plaît. Enlève-moi la distraction, oh Dieu. Qu'est-ce qui se passe à ce moment? Je parle à Dieu et je fais quoi? Je t'écoute. Ce que tu dis me brise. Me casse et me fait savoir exactement ma douleur, ce que je dois enlever. Ça me ronge. Tu me prêches en même temps. Tu condamnes la chose en même temps. Seigneur, je chasse toute distraction. Moi, je dis, je chasse toute distraction. Lui, il dit non. Qu'il laisse son affaire de suivre le match. Donc, celui qui est témoin de mon péché va dire ça bien. Des fois, moi, je peux le couvrir ça. Mais ma femme va dire, Seigneur, qu'il cesse de regarder Barcelone et Real le dimanche à 6h quand ils sont en finale de la Champions League. Le type là peut même ouvrir l'œil. Parce que tu as touché un point que lui-même n'aurait même pas pu dire. Trouvez-vous des gens comme ça qui peuvent prier avec vous afin que vous changiez. Que Dieu vous bénisse. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai appris à remporter des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Que je change mon caractère parce que j'ai appris à remporter des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle. Si je continue à parler comme je parle là, je risque de rater, car j'ai appris à remporter des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi. Si je continue à parler à ma femme et à mon mari de cette manière, je risque de rater l'enfant qui vient, car j'ai appris à remporter des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi. Si je continue à faire mal au cœur de mon pasteur, je risque de rater, car j'ai appris à remporter des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi. Si je continue à blesser mon mari, je risque de rater le bonheur, car moi je sais, j'ai appris à remporter victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi
Si tu continues à protéger ton défaut, tu vas rater. Car j'ai appris à remporter des victoires à gagner. Oh Seigneur, garde-moi fidèle. Ce ne sont pas les sorciers, les défauts sont des problèmes. J'ai appris à remporter des victoires à gagner. Oh Seigneur, Seigneur, garde-moi Seigneur, fidèle. Regarde, change tes habitudes, car tu sais, j'ai appris à remporter des victoires à gagner. Oh Seigneur, garde-moi fidèle. Renonce à ta façon de te comporter. J'ai appris à remporter des victoires à gagner. Oh Seigneur, garde-moi. Renonce à cette fille, renonce à ce garçon. Il est un danger pour toi. Oh, j'ai appris à remporter des victoires à gagner. Oh Seigneur, encore une fois, dis-le de tout cœur. J'ai appris à remporter des victoires à gagner. Oh Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Alléluia. Mabé Nasali, Nazali Kosala, Yamone Nazali. Kosala, ola munali. Kosala, solo na kokite. Mabe na boi kosala. Ensemble, on y va. Come on. Mabe na boi kosala, yamone na zali. Kosala, ola. Le mal que je ne veux pas faire, c'est celui-là que je fais. C'est pourquoi je te demande de l'aide, Seigneur. Encore une fois, ma benaboi, ma benaboi, Seigneur, c'est ce que je suis en train de faire. Et le bien que je veux faire, Seigneur. Je n'y arrive pas. Demandons de l'aide à Dieu. Lèvons les mains vers le ciel. Oh Yesu, oh Yesu, Yotame, Kalori Konanga. Chante de tout ton cœur. Nase Yeo, Yakosu Mama. Dis-le encore. En train de demander de l'aide, il faut que tu changes, il faut que tu changes. Dis-le encore, Yesu, oh Yesu, Yotame, Yalobi Konanga, Yalobi Konanga, Nase Inayo, oh terre sacrée, il y a des choses qui doivent t'arriver. Accepte la correction, accepte la correction, Yesu Nanga. Que tu marches maintenant avec Jésus. Ambola, Tambola, Tambola, Tambola.
avec les bonnes habitudes. Marche avec les bons amis, les bonnes choses. Une dernière fois, Dambola, Dambola. Dambola. D'aller t'appuyer auprès du Seigneur afin que tu ne retombes plus dans les défauts que tu as condamnés. Oh, appui nanga, oh, appui nanga, oh, appui nanga, oh, appui nanga, 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 Alléluia, Hosanna. Hosanna. Alléluia, Hosanna. Hey. Alléluia, Hosanna. Comment? Alléluia, Hosanna. Tabacha de l'eau. Alléluia, Hosanna. Unissons nos cœurs purs. 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 Alléluia, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. 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 Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia,
Alléluia, Alléluia, Hosanna. 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 Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Shalom Église, shalom peuple de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à changer, qui puisse dire Amen avec moi? Est-ce qu'on peut faire plus fort que ça, s'il vous plaît? Église, nous voici au moment d'offrir à notre Seigneur ce que nous avons prévu pour lui aujourd'hui. Alors nous aurons pour ce faire 4 services qui se passeront en 2 temps. Nous aurons d'abord la bénédiction de la parole en simultané avec le soutien de l'œuvre. Église, je vous prie d'être attentif quand nos sœurs vont s'avancer avec le panier des offrandes. Vous devez observer que c'est d'abord la bénédiction de la parole. Et au moment où je vois qu'elles ont déjà 2 paniers, nous le ferons en simultané alors. À votre droite, quand vous passez, ça sera pour bénir la parole. Et à votre gauche, ça sera pour le soutien de l'œuvre. Avec votre permission et la permission de notre Père, inclinons nos têtes pour prier pour nos offrandes. Seigneur, comme tu as parlé ce dimanche, nous avons certainement quelque chose à changer. Éternel, nous te prions de bien recevoir ce que nous avons prévu pour toi aujourd'hui, pour que cela change nos vies, nos comportements, nos familles, ainsi que nos projets. Nous voulons qu'au sortir de ce culte, que cet acte que nous posons puisse changer nos vies. En ton saint nom, nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Pour nos amis qui nous suivent en ligne, vous verrez sur YouTube, il y a une interface où vous pouvez cliquer directement sur le bouton dollar pour faire vos donations. Ou sinon, il y aura des liens qui vont s'afficher à l'écran par lesquels vous pouvez utiliser pour offrir à Dieu ce que vous avez prévu pour lui. Sous le son de la chorale, je vous prie de vous avancer pour offrir au Seigneur. Est-ce qu'on peut offrir l'Éternel avec joie ce matin? Alléluia, Hosanna. 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 Est-ce que tu peux pousser nos cris de joie pour le Seigneur? Est-ce que tu peux bouger un peu? Tu peux te tenir debout? Nous allons danser pour le Seigneur ce matin. Ah, je te sens pas. Est-ce que tu peux te tenir debout? Nous allons célébrer le Seigneur. Oh ya ya Yesué ya ya nanga. Oh Yesué ya ya nanga moko. Yesué ya ya nanga. Oh ya ya ye. Oh Yesué ya ya nanga moko. Nous voici à présent au moment de notre deuxième service. Il est celui qui va se combiner avec notre action achat parcelle. Nous voulons offrir au Seigneur un temple, une maison où nous allons nous réunir pour sa gloire. Pour ce faire, nous avons coutume de le faire au travers des enveloppes. Si vous avez prévu quelque chose pour le Seigneur aujourd'hui, il y a mes sœurs qui sont en train de passer
pour vous offrir les enveloppes. Au cas où vous l'aurez pris le dimanche précédent, je vous en prie, avancez de part et d'autre de l'estrade, le déposer comme une semence qui confesse déjà que nous aurons notre maison. Et en simultané, les paniers que vous voyez aux extrémités, à ma gauche et à ma droite, ça sera pour la perception de vos dîmes. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut danser un peu pour le Seigneur? Oh, ya, ya, yes, oui, ya, ya, nan, ya. Oh, yes, oui, ya, ya, nan, ya, boko. Oh, yes, oui, ya, ya, nan, ya. Oh, yon, ya, ya, ya. Oh, yes, Shalom Église, qui comme moi a senti que quelque chose a changé dans sa vie? Est-ce qu'on peut faire un geste de la main, s'il vous plaît? Il faut se manifester quand l'Éternel des armées agit. Amen. Nous sommes donc le dimanche 23 avril. Voici les annonces de ce jour. Avant toute chose, nous aimerions savoir s'il y a parmi nous des personnes qui se sont réunies avec nous pour la première fois. Est-ce que vous êtes dans l'assistance? Si oui, faites un geste de la main. Nous voulons tout simplement vous accueillir. Merci de vous tenir debout, qu'on vous donne les honneurs qui vous sont dus. Il y a le protocole qui vient vers vous pour vous donner la place. Veuillez suivre le protocole. De ce jour. Programme de la semaine. Mardi 25 avril, nous aurons réception pastorale de 9h à 15h. Et après 15h, ce sera uniquement sur rendez-vous. Mercredi 26 avril, nous avons culte d'impact en ces lieux à partir de 17h. Et jeudi 27 avril, nous avons réception pastorale en ces lieux de 9h à 12h uniquement sur rendez-vous. Vendredi 28 avril, nous avons culte dans nos différentes cellules. Et enfin, dimanche 30 avril, nous avons culte des ouvriers en ces lieux et en duplex de 7h30 à 8h30, ainsi que notre culte de découverte en ces lieux de 9h à 11h30.
émission. Suivez l'émission Allô Grossesse chaque jeudi à 20h sur la radio B1 au 87.8 FM et sur Canal Plus, le canal 529. À la télé, c'est chaque vendredi au canal 341 à partir de 18h10. Suivez l'émission Le Grand Plateau d'Allô Grossesse. Alliance Academy, la plateforme en ligne Alliance Academy est disponible pour aider à grandir dans la foi. Vous pouvez y accéder par l'adresse suivante, allianceacademy.jlnmission.com. Nous avons au fond de la salle notre shop, le shop où nous exposons de nombreux ouvrages d'édification régorgeant plusieurs thèmes écrits par l'homme de Dieu, le pasteur Lévi Kongolo, ainsi que les agendas JLN et Terre Sacrée. Ils sont également disponibles dans le shop du comptoir administratif. Et pour tout renseignement et besoin de vous en procurer, n'hésitez pas de vous avancer au comptoir administratif. Église, s'il vous plaît, ils ou elles m'ont demandé votre contribution en applaudissant très fort pour eux. C'est un signe de reconnaissance à Dieu qui leur a accordé une année de plus. Est-ce que nous pouvons applaudir pour introduire les actions de grâce? Vous comprendrez pourquoi j'ai demandé cela. Ce sont des personnes qui me sont très chères et très proches. Il s'agit des grandes dames, vous le verrez. Il s'agit de la sœur Chadel Kongolo, qui rend grâce à Dieu pour son anniversaire depuis le 17 avril. Est-ce qu'on peut accompagner Chadel par nos acclamations? Est-ce qu'on peut applaudir? Vient le tour, le mois d'avril, comme papa le dit, c'est un mois particulier. Vient le tour de la sœur Chrétia, qui fête aussi ce jour même son anniversaire. Pour elle, c'est ma coéquipière. Est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit? Nous bénissons le Seigneur pour son jour de naissance. Église, il faut bien applaudir. Ce sont elles qui acceptent de nous prêter leur papa. Tout le monde a choisi le mois d'avril. Il y a encore la sœur Milor Zola qui rend grâce à Dieu pour son anniversaire depuis le 22 avril. Clôturons avec Evenly Prune. Je pense avoir bien prononcé Evenly Prune. Voilà. Evenly Prune rend grâce au Seigneur pour son anniversaire depuis le 11 avril. Elle a totalisé 3 ans.
avril, il y a tellement de monde, nous allons récupérer le frère Jacob, un des soldats des églises Terre Sacrée. Un des vaillants soldats de la maison. Amen, amen. Église, s'il vous plaît, je n'ai pas la même onction que le pasteur Lévi qui reprend directement quand les instruments jouent comme ça. Je vous prierai, quand c'est mon tour, sautez cet endroit-là. Alors, nous allons continuer. Recrutement, les ressources humaines portent à l'attention collective qu'elles procèdent au recrutement des ouvriers dans les départements production et médias. Vous tous qui voulez servir le Seigneur, vous avez entendu comme notre Père a dit, celui qui s'éloigne de l'œuvre du Seigneur s'éloigne de lui-même et il se rapproche de l'autre borne. Donc vous qui ressentez cet appel, nous vous prions de contacter le comptoir administratif pour vous faire enregistrer. Nous clôturons avec les réunions. Conformément au calendrier annuel des activités des ouvriers, il est demandé à tous les départements de se réunir après culte. Mais avant cela, juste à la fin du culte, il est demandé à tous les ouvriers de rester juste après le culte pour une communication les concernant avec l'ancien Tracien. C'est tout pour moi. Merci et bon dimanche. Oh, acclame le Seigneur, s'il te plaît. Levons nos voix, que chacun puisse élever sa voix et prier pour la rénovation du temple. L'église va commencer les travaux. Prie pour le succès de ce programme. Élève la voix, prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te confions la rénovation du temple. Nous prions que cela soit un parfait succès. Nous demandons que tu bénisses l'Église. Nous te demandons que tu bénisses ceux et celles qui ont apporté. Que le miracle de bénédiction ait lieu pendant qu'on va rénover ce temps. Dans le nom de Jésus, nous disons tous ensemble Amen. Pourquoi j'ai demandé qu'on prie? Parce que des choses se passent. Tanti Bijou, c'est bon pour vous maintenant? Nous invitons Tanti Bijou de s'approcher. Can I have a microphone, please? Nous allons écouter un témoignage très bénissant de la part de la servante de Dieu. Alléluia. Approchez. Amen. Ancien Bijou a un témoignage. Suivons le témoignage et vous allez comprendre le lien avec la prière qu'on vient de faire. Tanti Bijou, bonjour. Papa. Amen. Le Seigneur vous a fait du bien? Énormément du bien. Racontez-nous cela, que nous partageons votre joie. Shalom, peuple de Dieu. Ce matin, je suis venu rendre grâce à Dieu. Pourquoi? Pour ce qu'il a fait dans ma maison. Lorsque on avait fait l'appel de fonds concernant les tôles, j'avais un peu d'argent que j'avais gardé à la maison. Soi-disant, c'était mon argent de commerce. J'ai l'habitude de faire des commerces, mais il y a eu un moment où j'avais perdu beaucoup d'argent. Donc, je n'avais presque rien. Le peu d'argent là, quand papa était en train de parler, j'entends dans mon cœur, je dis, ah, c'est comme si je me battais avec... mes pensées. J'entends dans mon cœur, mais cet argent que tu as gardé là, soi-disant l'argent de commerce, n'est-ce pas moi qui t'ai donné cet argent-là? Je me dis, je vais prendre l'engagement de 10 tôles. En tout cas, pour moi, c'était la folie. Même pour ma mère, c'était la folie. Je prends cet engagement-là. Quand je prends cet engagement-là,
Bien-aimé dans le Seigneur, ça va faire 10 ans que mon mari ne travaille pas. 10 ans. Quand je prends l'engagement, je vais à la maison. Il me dit, Bijou, on m'a appelé pour un interview. Moi, je dis sans blague. Imaginez-vous, 10 ans de chômage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je ne réalise pas encore le lien. J'appelle papa, je dis, papa, on a appelé Franck pour l'interview. Il me répond, c'est à lui. Vous savez, non? La foi, j'ai dit seulement amen. Quand je rentre à la maison, je veux prendre cet argent-là. Je veux donner ça aux finances. Quand je donne aux finances, il m'appelle pour me dire encore. Parce que bon, quand on ne travaille pas, on est débrouillard, on est tout le temps dehors. Il m'appelle pour me dire, Bijou, je veux faire cette interview-là. Je fais ça demain. Le jour suivant, il vient. Il me demande de prier pour lui. Vous savez, les hommes, là, les mamans, et ça, c'est une parenthèse. Même si les hommes, là, ils ne viennent pas à l'église, mais ils savent qu'on prie Dieu. C'est aussi une thèse. Alors, je prie pour lui. Je déclare sur lui. Il part. Quand il part, il m'appelle, il me dit, ah, j'ai l'impression que vraiment c'est bon. Moi, je dis, gloire à Dieu. Dieu t'a déjà donné ce poste-là. Ça, c'est moi. Je reviens encore à papa. Papa, il a fait ça. Papa dit, il a déjà eu ce poste-là. Bien-aimé dans le Seigneur, on a commencé à attendre lundi, mardi, première semaine, bon. Deuxième semaine, il m'appelle jeudi. Il me dit, Bijou, demain là, moi je commence. On m'a retenu, je commence à travailler. Bien-aimé dans le Seigneur, j'avais l'impression que j'ai rêvé. J'avais l'impression que j'étais dans un sommeil, que j'allais me réveiller. Donc, je ne voulais pas me réveiller, je voulais rester dans ce sommeil-là. Je me suis mise à genoux, j'ai pleuré. J'ai dit à Dieu, réellement, tu es fidèle. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, soyons sensibles aux appels. Quand l'Éternel demande quelque chose, toi ne calcule pas. Nous calculons trop, c'est ça notre problème. Je n'avais pas calculé. Ma bien-aimée, des $350, j'ai enlevé $120, imaginez-vous, pour l'Éternel. Mais ce que Dieu m'a donné, c'est plus que $100. C'est pourquoi je viens rendre grâce à Dieu. Acclame le Seigneur. Félicitations. Merci beaucoup. Je voulais dire ceci. Je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la sœur de Pasteur Lib. Je sais qu'il ne voudra pas. Ce que je veux faire maintenant là, il ne voudrait pas. Ce n'est pas ma petite sœur. Il ne faut pas regarder le genre. Je suis la sœur de Pasteur Lib. Après elle, il y a 3 personnes. Papa, je te dis merci. Maman Marianne, je vous dis merci. Quand ça n'allait pas, vous ne m'avez pas abandonné. Je connais beaucoup de familles qui ont des frères, qui ont de belles sœurs, mais qui ne savent pas c'est quoi une sœur, c'est quoi la famille. Mon frère, le pasteur Lévi, sa femme ne m'ont pas abandonné. Tous les jours, quand je n'en ai pas, ils m'ont donné. Que votre Dieu vous bénisse. Nous recevons au nom de Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen.
C'est aussi assez compliqué pour avoir le même sang. Et quand ton frère est devant, il dit, nous allons prendre les tôles, tu peux dire, il sait que j'ai des difficultés. Et ne pas prendre ça au sérieux. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, je suis en train de prier ces derniers temps. Les gens qui sont à l'église ont remarqué que je viens maintenant beaucoup prier. Parce que j'ai un grand poids dans mon cœur. Le poids de mon cœur, ce sont les enfants qui sont à l'église, les Kodim. Les Kodim est un grand souci dans mon âme et je pense que tous les parents ont le même problème que moi. Ce n'est pas qu'on ne veut pas être avec nos enfants dans le grand temple, mais on sait que nous avons besoin que nos enfants prennent la nourriture qui les convient. Amen. Pour ceux, nous avons eu un entretien avec mon bailleur, notre bailleur, qui est un frère de l'église, qui nous a fait beaucoup d'avantages avec, je dis nos bailleurs, parce que c'est lui et sa sœur. Je ne sais pas si vous connaissez sa sœur. Amen. Maman Françoise, elle est où? La grande sœur. Parce que nous, on est des gens, des grandes sœurs qui sont à confusion. Donc, tu peux l'appeler petite sœur. Saluons-la, s'il vous plaît. Merci, maman. Cette famille nous fait beaucoup de bien. Excusez-moi de grignoter sur le temps, l'heure du culte est déjà finie. Cette famille nous fait beaucoup de bien, nous donne beaucoup d'avantages. Je n'entre pas dans certains détails, mais je sais que tous ceux qui savent que Terre Sacrée est à Lolo la Crevette se disent qu'on a beaucoup d'argent pour être ici. En fait, on a eu beaucoup de grâce de les avoir comme bailleurs. Amen. Dans l'église, si je ne vous dis pas, vous ne saurez pas. Ils sont totalement effacés. Ce n'est plus chez eux ici. Pour eux, c'est la maison de Dieu. Jamais ils ne viennent dans cet endroit. Oh, Yabiso. Ils ont une éducation. Mais ce sont des bonnes personnes. Alors nous avons parlé avec eux sur un dossier. Mais ce dossier, je ne peux pas vous le dire tous en tant qu'église. Parce que ça demande des gens qui ont un certain niveau de foi. Je demande donc à tous les parents qui ont un enfant dans l'église et à tous les travailleurs de m'attendre à la fin du culte, que je vous partage la chose. D'accord? On peut faire ça? Parce qu'il s'agit de nos enfants, il s'agit de nous, les parents, la joie de les voir être mieux encadrés. Nous avons deux options pour résoudre cette offre, mais j'aimerais qu'on utilise aussi l'option de l'église. En dehors de ça, nous avons lancé la rénovation de cet hangar, de cette bâtisse au niveau de la toiture. Avril, je ne sais pas si vous avez remarqué, Dieu nous fait grâce qu'il ne pleuve pas. Dieu sait aussi qu'il a donné un programme de réhabilitation. Si nous, on ne saisit pas, quand la pluie commencera, vous qui êtes venus pour le premier jour, quand la pluie commence, ici c'est dangereux parce qu'on a un souci sur les toits, la toiture. L'eau entrera, ça va nous déranger. Alors, faisons en sorte qu'on puisse arrêter ça. Il y a un dimanche, on avait pris des vœux de tôle. Peut-être vous n'étiez pas là. Mais est-ce que quelqu'un voudrait prendre le vœu des tôles? Plus de 10 tôles, vous levez votre main. Les sœurs du protocole viendront vers vous. Ceux qui peuvent prendre plus de 10 tôles. De 10 à de 11 tôles, 12 tôles, 13 tôles. Levez juste votre main. Le protocole viendra vers vous. Donnez-la, plus de 10 tonnes, merci. Donc de 11, 12, 13, c'est parti. Et si vous voulez prendre 10 tonnes juste, vous pouvez lever votre main aussi. Comme maman Bijou l'a pris, c'est 10 tonnes. Ça transformait cela en un travail et un salaire assez intéressant. Alléluia, somebody. 10 tonnes. Vous voulez prendre de 6 tôles à 9 tôles. Levez votre main. 6 tôles à 9 tôles. Si vous êtes en ligne, vous voulez le faire, écrivez-nous. Soyons connectés. Papa Christian suit ça très bien. De 6 tôles à 9 tôles. Si vous allez donner 5 tôles, levez votre main aussi. Les finances viendront vers vous. Les tôles coûtent $12. $12. Ce sont des tôles assez longues. 5 tôles.
C'est à vous que je parle, bien-aimé. Le jour où on prend, on a les calculs que Tantine Bijou disait là. Alléluia. De une tôle à quatre tôles, levez votre main, s'il vous plaît. Prenons. Donnez une enveloppe. Pasteur Joseph n'était pas là la fois passée. Maman avait pris l'étoile. Hein? Ah oui. Je sais qu'ils ne vont pas vouloir rater cette bénédiction. Merci maman d'avoir anticipé. Alléluia. Amen. Alors ceux qui avaient déjà pris des vœux, vos enveloppes d'étoile, allez les déposer aux finances, ne les manquez pas. Si vous voulez, oui ma fille. Ah, on monte. Alléluia. Un microphone, please. Si vous voulez, vous avez votre enveloppe ici et maintenant. N'oubliez pas à la fin du culte d'aller aux finances, là-bas, à ma droite, à votre droite quand vous allez sortir. Et vous déposez votre enveloppe. Qu'est-ce qui s'est passé? Bonjour. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. En fait, papa, je ne voulais pas parler, mais quand maman Bijou, elle a parlé, j'ai vraiment senti dans mon cœur le Saint-Esprit me déranger pour venir dire ça. Le dimanche passé, quand on a pris les vœux pour les tôles, j'ai pris les vœux. Ah, d'accord. Okay. Donc, j'ai pris le vœu, j'ai pris deux tôles, et en prenant deux tôles, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je le prends pour que tu fasses grâce à mes sœurs. Devant moi, j'ai deux sœurs. Qui ont fini des études, mais qui n'ont pas encore de travail. Alors, quand je suis rentrée à la maison, j'ai pris mon enveloppe. Je vous parle d'une enveloppe que je n'ai même pas encore payée, mais j'ai juste pris le vœu et j'ai dit à Dieu, Seigneur, je le prends pour mes deux grandes sœurs. Je suis rentrée à la maison, elle m'a parlé d'une affaire, je crois la même semaine, elle me parle d'une affaire, elle cherchait un endroit pour faire un petit resto comme ça et tout, et elle en a trouvé. On a pris les économies, en tout cas maman a vidé son compte en banque, on lui a tout donné pour qu'elle commence parce qu'on voulait vraiment qu'elle commence vu qu'elle a fait 7 ans où elle a fini les études, elle n'a toujours pas de travail. Et quand elle a tout acheté, elle arrive le jour où il faut commencer, on la convoque, on lui dit c'est plus possible que tu fasses ça ici parce qu'il y a eu des complications comme ça. Alors elle m'écrit, elle me dit écoute Tracy, on a refusé. J'ai dit d'accord, reviens quand même. Elle est partie à son culte. C'est même pas quelqu'un qui prie ici. Hein. Elle est partie dans son église et puis elle est revenue. Elle est revenue à la maison, on s'est vu le soir. On en a parlé. Elle a dit non, je vais encore y retourner. Cette fois-là, quand elle y retourne, elle appelle la personne qui l'avait, le commissionnaire qui l'avait emmené là-bas. Ils sont arrivés. On lui a dit, madame, écoutez, on va vous rendre l'argent parce que c'est vraiment pas possible. C'est impossible que vous puissiez travailler ici. Elle rentre à la maison, elle était vraiment abattue. J'étais à l'église, je suis arrivée à la maison, on me dit non, écoute, c'est vraiment pas possible. Cette fois, c'est vraiment mort de chez mort. Alors je dis, ah ok, d'accord, c'est bien. Il y a eu mon beau-frère qui est avocat, il lui a dit, on va partir demain. On l'a appelé pour dire, ah, on devait être actionnaire, mais c'est plus possible. On va aller demain. Mon beau-frère lui dit, viens. Excusez-moi, c'est vraiment beaucoup d'émotions. Mon beau-frère lui dit, viens, on y va. Demain, on va y aller. Alors, elle me dit, Tracy, demain, on va y aller. J'ai dit, d'accord, c'est pas grave. Le matin, je me lève d'habitude quand j'ai pas cours. Je me lève vraiment comme 8 heures et tout. Je me suis levée à 5 heures. J'ai commencé à prier. Elle s'apprêtait, j'ai prié. J'ai dit, vas-y, c'est bon, tu peux y aller. Elle est partie. Et j'ai écrit à papa, j'ai dit, papa, écoutez, il y a ma grande soeur, elle a des complications comme ça, comme si c'est si. On me dit, d'accord. Il me dit, d'accord, je vais prier pour ça. Je lui ai écrit, j'ai dit, vas-y, j'ai parlé avec, je crois que j'ai parlé de ça à papa. Et j'ai aussi écrit au ministre Grady, je lui ai dit, prie, parce qu'il y a vraiment de sérieuses complications, elle risque de rater de son argent. Et elle me dit, d'accord, elle est partie, elle m'a appelé. Le jour où elle part, on lui dit, c'est pas possible, revenez demain, le major n'est pas là. Et quand on lui dit de revenir demain, le lendemain, elle revient. Cette fois, au lieu de lui rendre l'argent, on lui dit, écoutez, madame, on a déjà perçu votre argent. On ne peut plus rendre l'argent. Donc, vous allez seulement
occuper l'espace, le même espace où on lui avait dit que c'était impossible. On lui a dit d'occuper le même espace. Et au moment où je suis en train de vous parler, elle commence demain. Alors je viens rendre grâce à Dieu pour ça. Acclame Dieu pour ça. Thank you very much. Un ami disait, on ne chasse pas l'esprit de la pluie, on met les tôles. Il y a des prières qui ne servent à rien. Il y a des prières qui ne servent à rien. Alléluia. Continuez toujours à dire, Seigneur, on va faire. Pendant que Dieu vous dit, fais ceci. Dieu n'a pas besoin de notre aide pour mettre les tôles. Mais s'il vous dit, changez toutes ces tôles, c'est qu'il y a quelque chose qu'il veut faire. Amen. Si vous avez les moyens de mettre toutes les tôles, toutes les tôles, c'est 443 tôles, je crois. Vous pouvez les mettre. Vous nous suivez, vous pouvez le mettre. Vous êtes ici, vous pouvez le mettre. 100 tôles, vous mettez. Ce qui va se passer après, on ne peut pas imposer à Dieu. Dieu lui-même sait ce qu'il va faire. Et nous allons rendre gloire à Dieu pour ça. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ne manquez pas, n'oubliez pas, tous les parents et tous les travailleurs, je précise bien les travailleurs, attendez-moi à la fin du culte, s'il vous plaît. Nous rendons grâce à Dieu pour toutes les dîmes reçues aujourd'hui. Que Dieu bénisse ceux qui l'ont apporté. Donne un amen. Nous rappelons que toute l'année 2023, nous sommes dans notre 10e année. Nous apportons pour rendre grâce à Dieu une chaise pour les 10 ans. Je veux rappeler que le 6 mai, nous aurons notre programme spécial de prière, 7 heures devant la face de Dieu, de 7h à 14h. Le 6 mai, je rappelle que ce programme, c'est moi-même qui le dirige, parce que je pense que c'est un fardeau du pasteur de diriger ça. Amen. Nous passons 7 heures de prière avec vous ici. C'est un moment chaud de prière, de 7h à 14h, le samedi 6 mai. Que Dieu vous bénisse, nous acclamons le Seigneur. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Nous rappelons que l'Église, le culte commence le dimanche à 9h et finit à 11h30. Veuillez être ponctuel pour avoir toutes les bénédictions qui sont dans le culte. Pour ceux qui viennent en retard à l'Église, vous ratez beaucoup de choses. Nous vous encourageons de ne pas venir en retard à l'Église. Pour ceux qui viennent à temps, vous êtes vraiment une bénédiction. Parce que grâce à vous, nous montons un cœur devant Dieu. Le cœur qui permet au Seigneur de nous visiter. Notre louange et notre adoration. Alléluia, somebody. Que Dieu bénisse chacun. Que Dieu bénisse les nouveaux venus. Nous étions très heureux de vous voir ce matin. Et nous vous invitons à venir encore dans les cultes de semaine. Le mercredi, le dimanche. Alléluia. Élève la voix et prions pour la République démocratique du Congo pendant quelques secondes. Tu vas élever la voix pour le peuple congolais. Amen. Il y a des travaux qui se font pour arranger nos frontières. Prions que le Seigneur bénisse l'État congolais qui veut bientôt sceller nos frontières, les protéger. Amen. Prions aussi pour les cartes d'identité qu'on va bientôt nous donner. Les cartes d'identité, pas les cartes d'électeur, les cartes d'identité pour tout le monde. Prions que ce projet marche, parce que pour avoir une carte d'identité, ça va être difficile pour quelqu'un de prendre cette carte. Et c'est ça qui va empêcher que des étrangers puissent se substituer à nous et après nous créer des problèmes de l'intérieur. Qui a compris cela? Donc élève la voix, bénis le peuple, bénis le président, bénis, prie pour la bénédiction du président, prie pour la bénédiction du gouvernement, que ces deux projets de la protection des frontières et de la carte d'identité réussissent. Prions le Seigneur. Père, nous venons prier pour les décisions étatiques prises dans l'avantage de la République démocratique du Congo. S'agissant de la protection des frontières, s'agissant, Seigneur de gloire, la carte d'identité nationale, nous prions que tu bénisses le projet des frontières, que nos frontières ne soient plus perméables, que nos frontières ne soient plus accessibles à tous, selon éternel les restrictions frontières. Au nom de Jésus, nous prions pour que l'État congolais emmène ce dossier jusqu'au bout, afin que le travail soit bien fait, que les équipes
qui sont en charge de toutes ces choses respectent la vision du chef de l'État et accomplissent ce programme au nom de Jésus. Nous bénissons la carte d'identité nationale. Que l'esprit des fonctionnaires et des autorités qui seront derrière cette carte d'identité soit loin de la corruption. Que personne n'achète la carte d'identité au nom de Jésus. Nous refusons les magouilles. Nous refusons les magouilles. Nous refusons la corruption. Nous refusons la corruption. Dis au nom de Jésus. Nous refusons la corruption. Nous refusons les magouilles. S'agissant de la carte d'identité, nous refusons la corruption. Nous refusons les magouilles. Que Dieu mette la discipline dans les autorités. Que Dieu mette le sérieux dans nos autorités. Que le mal de nos cœurs quitte au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus que nous avons prié pour la République démocratique du Congo. Dit Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Une semaine d'équilibre et de grâce. Une semaine de changement et de repentance. Une semaine où vous allez vous regarder vous-même au miroir pour changer ce qui est en vous. Une semaine où tu trouveras quelqu'un à qui tu diras, dis-moi ce que je dois changer. Une semaine dans laquelle tu prieras avec la personne pour changer ce que tu dois changer. Que le Seigneur bénisse ton esprit, ton âme et ton corps. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Dis trois fois Amen. Que Dieu vous bénisse, Église connectée. Que Dieu vous bénisse, Église terre sacrée. Merci d'avoir participé. Bye bye. Nous sortirons de la droite à la gauche. Je demande